Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment convertir un fichier texte en fichier audio en utilisant la bibliothèque GTTS, Google Text to Speech, en Python. Le fichier texte qu'on va convertir est celui-ci. Je l'ai appelé demo.txt. Donc voilà le fichier Paris, capitale de la France, est une ville aux multiples facettes, art, romantisme et amour. Elle nous emporte dans un voyage inoubliable au travers des sites incontournables, mais aussi des lieux insolites et surprenants. Donc, c'est ce fichier que nous allons convertir en fichier audio. OK. Pour commencer, on va d'abord s'assurer que la bibliothèque GTTS est installée. Donc, pour l'installer, il faut taper pip 3 install en anglais GTTS. Moi je l'ai déjà installé, donc c'est bon. Et là nous allons commencer par nous allons importer cette bibliothèque en écrivant GTTS. Import GTTS. OK. Et puis, nous allons aussi utiliser le module, importer le module OS. Je vais taper import OS. OS. Ok, après je vais créer une variable que je vais appeler texte. Je vais utiliser la fonction open pour ouvrir mon fichier texte. Démo. Virgule. Read. Et ensuite, je vais créer l'objet, une variable que je vais appeler output, qui sera en fait l'objet de un objet créé par la librairie GTTS. Texte langage, je vais utiliser le français fr small false. Donc nous avons créé notre fichier audio. On va sauvegarder et donner un nom. On va l'appeler par exemple je l'appelle fichier audio point MP3 et ensuite on va utiliser le module OS pour lire ce fichier. MP3.
Voilà, donc c'est tout. Juste quelques lignes de code. Maintenant, nous pouvons tester notre code pour voir si elle fonctionne. Parce que ça... Paris, capitale de la France, est une ville aux multiples facettes. Art, romantisme et amour. Elle nous emporte dans un voyage inoubliable au travers des sites incontournables, mais aussi des lieux insolites et surprenants. Voilà, notre fichier audio a été créé avec succès à partir du fichier texte. Donc, on peut désormais écouter son contenu à tout moment, si on... Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Nous avons appris comment convertir un fichier texte en fichier audio en utilisant la bibliothèque GTTS en Python. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et passez une excellente journée. À bientôt. Au revoir.